Dit souvent que cette usine où je viens chaque jour serait un bon décor pour un film. C'est vraiment une usine comme au cinéma. On s'attend à voir Jean Gabin en bleu de travail sortir d'une soufflerie de verre, mais s'il n'y a pas de souffleur. On rêve d'y voir Michel Morgan en délégué syndical, Pierre Freinet en ingénieur ou en aumônier, Jean-Pierre Grenier en contremaître, Charles Vanel en directeur. Je ne me doutais pas que le jour où ce décor servirait réellement à un film, il s'agirait d'un mystère, d'une enquête, et que c'est moi qui jouerais le rôle du détective. On s'étonne toujours que les histoires commencent un jour sans histoire, comme si ça n'était pas leur seul moyen de commencer. C'était donc la fin d'une journée de travail comme les autres. Certains portaient la trace de journées de travail qui n'avaient pas été comme les autres. Dauman, par exemple, et son bandeau noir sur l'œil. Il le faisait surnommer Filochard. On se souvenait du jour de sa blessure comme du jour de l'accident. Comme si l'accident, c'était seulement ce qui fait du bruit. Ce qui marque un homme d'un seul coup pour la vie. Comme s'il n'y avait pas des accidents invisibles. Des accidents silencieux. Des accidents longs à se déclencher. Mais non. L'accident, c'était le poignard, pas le poison. C'était Bardet, le concierge, avec son bras en moins. Ce n'était pas Renard. Renard rentrait chez lui à vélo. Il n'avait rien en moins. Il avait deux yeux, deux bras, une tête. Mais une tête où, depuis quelque temps, il entendait un drôle de bruit. Petit malaise qu'il maîtrisait vite, auquel personne ne prêtait grande attention. Oui, en y repensant, on était obligé par exemple de l'aider à décrocher son vélo. Mais le copain ne le remarquait guère plus que vous-même, spectateur, il y a une minute. Ce soir-là, pourtant, le malaise était plus fort, la tête plus douloureuse. Renard avait du mal à rentrer chez lui. À peine dans la chambre, il se laissait tomber sur le lit où il demeurait un long moment, sonné comme un boxeur, allongé sur la courte pointe. La femme de Renard avait appelé le médecin. Ce qu'il pouvait dire de plus précis, fatigue, anémie, ne lui plaisait guère. Était-ce de nouvelles conditions de travail? Apparemment non. L'usine était l'usine, et Renard travaillait depuis 15 ans au même poste. Le médecin demandait qu'on procède à des examens de laboratoire. En attendant, Renard, n'ayant rien de défini, retournait à son travail comme d'habitude. À l'usine, Renard parlait quelquefois de ses malaises. On racontait des anecdotes. On cherchait des exemples chez les copains, dans les familles. Tout ça, au fond, c'était normal. C'était la fatigue. Il valait mieux ne pas s'écouter. Quoi de plus courant que la fatigue dans le travail? Le bruit dans la tête, c'était la fatigue. Ces nausées, c'était la fatigue. Ces insomnies, c'était la fatigue. Ces migraines,
c'était la fatigue. Sa fatigue, c'était la fatigue. Lorsque Renard a eu en pleine usine une défaillance complète, le mystère a été d'autant plus grand que chacun menait déjà une enquête à sa façon et n'arrivait à rien. L'ingénieur passait en revue les problèmes techniques, l'agencement des lieux, les mesures de sécurité. Théoriquement, tout était normal. Théoriquement, car il ne pouvait pas tout contrôler lui-même, il n'était pas contremaître. Le contremaître, lui, prenait le problème au niveau de l'organisation du travail. Puisqu'il s'agissait de fatigue, il faisait l'inventaire des causes de fatigue. Il surveillait le bon état de ses installations, de ses appareils. Il voyait bien la possibilité d'éléments toxiques, mais il n'était pas chimiste. Le chimiste était dans son laboratoire. Il poursuivait lui aussi des recherches et les mettait en formule. Mais il était trop loin du cas qu'on lui avait signalé pour les interpréter, les adapter. Il n'était pas ingénieur ni contremaître. Renard, lui, était Renard, c'est-à-dire un homme jusqu'alors sain et normal, qu'un mystérieux ennemi était en train de détruire lentement. Et le seul secours qu'on pouvait attendre des examens de laboratoire, c'était préciser la nature de son mal, cerner de plus près les régions qu'il menaçait, les processus qu'il mettait en route. Grâce aux examens, on fouillait la structure des organes de Renard, on comptait ses constituants, on enregistrait les modifications du fonctionnement, on énumérait et on dosait les effets de la maladie. Tout était noté, comparé, sans que le médecin traitant, étranger à l'usine, l'ingénieur, étranger à la médecine, le contremaître, étranger au laboratoire, et le chimiste, étranger à l'atelier, eussent entre les mains autre chose que des éléments séparés, dont l'union représentait maintenant, pour un homme, l'ultime chance de guérison. C'est là que je suis entré en action. Je vous le disais comme le détective au moment critique dans les romans policiers classiques. Moi, c'est-à-dire le médecin du travail. Médecin ou détective, je suis en tout cas plus proche du commissaire Maigret que de Sherlock Holmes. Pas de génie, pas d'intuition bouleversante, mais la volonté, la patience et surtout les moyens de mettre bout à bout tous les éléments du problème et d'en faire le tour. Comme dans ce cas précis, je faisais le tour de l'usine, lieu du crime, mais d'un crime heureusement encore inachevé, d'un crime imparfait. Regardait Renard travailler. Ce fameux travail qu'il faisait depuis 15 ans que tout le monde avait innocenté. Si familier que me fût cet atelier, j'y revenais. J'essayais d'y jeter un regard neuf. En parlant avec Renard, au lieu même de son travail, j'avais une perception plus nette de ses troubles. Je me demandais si vraiment, oui, si vraiment ce travail tellement banal n'y était pour rien. Je l'interrogeais longuement, essayant de faire apparaître un détail oublié de la maladie, de ressaisir les circonstances qui avaient accompagné les premiers troubles. Je questionnais l'ingénieur. Je lui faisais préciser les détails de la fabrication, le montage des appareils, la nature des produits employés. Je questionnais le contremaître. Je revoyais avec lui les détails des installations. J'essayais de découvrir dans les derniers mois des anomalies, des incidents
Je questionnais le chimiste. Je me renseignais sur la qualité, sur les caractéristiques des dernières formules utilisées. Les choses, dans leur ensemble, ne laissaient aucun doute sur la sécurité de l'atelier. C'était dans les détails, dans les plus petits détails que je devais trouver le défaut. Par acquis de conscience, par excès de minutie, je pratiquais ce soir-là un prélèvement. Le lendemain matin, j'allais chercher le résultat de l'analyse. Oui, depuis la dernière livraison, un des produits n'était pas tout à fait identique à l'ancien. L'un des constituants avait légèrement augmenté, mais dans une proportion négligeable. Rien n'était négligeable pour moi. Et si cette proportion n'était pas négligeable pour Renard ? Si elle était dangereuse pour lui, si elle devenait dangereuse pour d'autres. C'est par là que je prenais le problème, notant les observations, contrôlant les symptômes, comparant des réactions, et tout le temps ma pensée me ramenait à l'usine. La fatigue aidant, l'inquiétude que je ressentais pour Renard et peut-être aussi le mystérieux et négligeable constituant, j'en arrivais à une espèce de cauchemar où l'usine devenait une jungle, une planète ennemie, un théâtre de cruauté. Fouillis de machines dont le sommeil inquiète comme celui des fauves, monde de fer et de feu toujours prêt à se révolter, à mordre. À laisser sourdre sa bleue vénéneuse. Gros rat ébouillanté dont les cris percent la nuit. Seconde nature créée par l'homme est si bien créée qu'elle imite la première jusque dans son hostilité pour lui. Grosse bête dressée qui guette sans dompteur et qui, à la première inattention, à la première faiblesse, frappe. Voilà, j'y étais. Mon rêve avait suivi son cours et ma raison en avait pris un autre plus méthodique. C'était ce résultat que je communiquais le lendemain matin à tous ceux qui devaient en connaître. Je prenais d'abord contact avec le médecin de Renard. Puis j'appelais le directeur de l'usine. Une réaction en chaîne s'effectuait du directeur à l'ingénieur, de l'ingénieur au contremaître, qui à son tour ordonnait l'arrêt du travail dans l'atelier de Renard. Même, on réunissait le comité d'hygiène et de sécurité. Devant les représentants du personnel et du chef d'entreprise, j'expliquais la maladie dont souffrait Renard. Dans sa nouvelle composition, le produit n'était pas si inoffensif. Tout au moins pour un certain type d'individu, et Renard était de ceux-là. Il ne s'agissait donc plus d'un cas mystérieux, mais d'un danger auquel d'autres ouvriers pouvaient être exposés. Dans ces conditions, on décida l'examen médical du personnel qui avait été en contact avec le produit. Des mesures étaient prises, en même temps, pour qu'on cesse d'utiliser le produit incriminé. On les examina tous. Non seulement j'allais pouvoir rassurer Renard, sa famille et son médecin, mais une nouvelle contribution était apportée à l'étude des accidents par intoxication. Et une fois les analyses faites, les résultats obtenus, les remèdes apportés, nous pouvions être sûrs de notre victoire. Le monstre était vaincu et le crime n'aurait pas lieu. Mais à ces jeux détectives, aussi bien cette enquête n'était que l'exemple un peu plus spectaculaire d'une existence qui ne l'est pas. On appelle souvent le médecin l'ingénieur des corps. Dans l'usine, cette comparaison rebattue prend une nouvelle saveur. Car lorsque tant d'attention est portée aux organes délicats des machines, il n'est pas mauvais qu'un œil s'attarde aussi sur ces machines assez complexes, assez sensibles que sont les hommes. Un ouvrier se plaint d'une poussière dans l'œil, je le conseille. À ce mal sans gravité comme à d'autres plus redoutables, je peux répondre par des soins. Mais c'est l'aspect négatif de mon action.
Lorsqu'un autre a la gorge irritée par des poussières s'essouffle, tousse, je peux de la même manière lui rappeler le port du masque. Mais si je transfère le masque de l'homme à la machine, je supprime l'origine du mal lui-même, et cette fois c'est l'aspect positif. Car si l'on m'appelle le médecin du travail, c'est peut-être parce que j'ai à soigner le travail autant que le travailleur. Au XXe siècle, la médecine est aussi préventive. Et puisque la formule doit être disponible en ce moment, on peut dire que soigner, c'est prévoir. Toujours à l'affût des substances toxiques, des émanations délétères, je ne me bornerai pas à les analyser, à en combattre les effets. Je m'efforcerai de les détourner, de les isoler. Par exemple, j'obtiendrai que les fumées soient évacuées à une hauteur fixée par des normes rigoureuses pour n'affecter personne. Bien entendu, tout n'est pas si simple ni si rapide. Depuis 10 ans qu'existe la médecine du travail, il n'a pas toujours été facile de me faire accepter tel que je suis. Ni sélectionneur de champion du travail, ni revendicateur en chef, mais conseiller. De même qu'il n'est pas toujours facile d'exercer normalement mes fonctions dans certains lieux de travail que Zola aurait pu décrire, et que d'ailleurs il a peut-être décrit. Mais là encore, la vraie réponse, c'est la construction de nouvelles usines, saines, logiques, adaptées à des hommes mieux informés, plus conscients de leur droit à la sécurité, à la santé. Si mes conseils et mes actes vont toujours dans cette direction, si à travers moi se dessine, encore confusément mais avec opiniâtreté, l'image d'un monde du travail plus clair et plus clément, alors ma fonction dans l'usine trouve sa raison d'être. Et la petite ombre que je suis au pied de ces constructions gigantesques donnera peut-être à l'ensemble sa vraie mesure, sa mesure d'homme.